avec Christine David, la floriste de la Gage de Bretagne. Bonjour Christine. Bonjour. Alors depuis quand vous avez ouvert notre magasin? Voilà, un magasin. Notre magasin, alors depuis 1980, ça veut dire 37 ans, ça fait 37 ans. Déjà en fait, 1er mai. Alors vous êtes ouvert tous les jours? Tous les jours, exactement. Tous les lundis au dimanche. 365 sur 365, ouais. Pas de jour fermé. Voilà. Voilà, pas de fermeture. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais à la fois, on est aussi plusieurs, donc on se relaie. Il y a combien d'employés qui travaillent 10 au total, mais au magasin purement, il y en a 4 quoi, hein, qui tournent sur les heures d'ouverture du magasin. Quoi, aussi, ouais. Alors, vous nous avez fait confiance pour un service il n'y a pas très longtemps, un service de Baudet. Pourquoi vous nous avez fait confiance plus à nous qu'à une entreprise? Parce qu'en fait, c'est sur une période assez courte, quoi, donc c'est plus facile. Et puis, c'est un travail assez facile, donc il n'y a pas besoin d'être expérimenté ou quelque chose comme ça. Donc, même le fait d'être jeune, par exemple, ça ne pose pas de problème, quoi, en fait. Alors, vous vendez quoi comme fleurs ici? Alors, ici, on vend des fleurs coupées, du plant de fleurs, de légumes et des légumes finis aussi, et des graines. C'est-à-dire que ça va des graines, du plant jusqu'à au produit fini, comme les quoi, en fait. Et c'est quoi les produits que vous vendez le plus? Ben, ça reste quand même la fleur coupée, puisqu'on est fleuriste à la base quand même. Donc ça reste quand même ça, fleur coupée, plantes, les plantes naturellement quand même aussi, tout ce qui est plantes. Alors en ce moment, ce sont les dahlias, les glaïeuls, les statis, les roses. C'est assez riche l'été en fleurs quand même. Les zinnias, les reines marguerites. Les amarantes queue de renard. comme là, on voit que le temps en ce moment est un peu sombre. C'est soit soleil, soit. Est-ce que ça joue sur les fleurs quand même? Oui, ça joue par exemple sur les plantes. On voit par exemple que certaines plantes de plein été qui réussissent très très bien quand il fait très chaud, et bien là, elles ont un vrai air d'automne, on va dire. Si par exemple les fleurs d'hiver, si par exemple on voit qu'il se met beaucoup à pleuvoir souvent, est-ce que les fleurs d'hiver peuvent repousser en été? Non, pas à ce point-là quand même. Ou alors il faudrait vraiment que ce soit sur toute la saison. Parce que là c'est juste quelques jours en fait. Et vous faites donc le marché chaque semaine à la Guerche? Oui. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que beaucoup de gens achètent au marché? Oui, il y a pas mal de gens quand même qui achètent au marché, parce que du moins des produits pas trop lourds, parce qu'on peut transporter. Donc c'est facile d'acheter quelques légumes, quoi, plutôt qu'autre chose. Oui, c'est vrai, pas des choses encombrantes en tout cas. Et la signification des roses, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, les roses, c'est surtout dans les couleurs des roses. Il y a plusieurs couleurs. Il y a des significations. Par exemple, le rouge, c'est amour, quel qu'il soit. Relation amoureuse, quand on aime quelqu'un comme on aime sa maman, par exemple, on peut offrir des roses rouges aussi. Le jaune, par exemple, en relation amoureuse, ça va être infidélité. Mais si on est dans une autre relation, c'est richesse et prospérité. Et les roses roses, les roses blanches, les roses oranges, c'est plus tendresse, amitié. Et quand on dit que quand on offre le jaune, on dit que c'est jaune cocu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vraie? On peut dire, puisque en relation amoureuse, ça représente l'infidélité. Donc on pourrait dire ça. On pourrait dire. Et donc c'est comme c'est en ce moment, on le sait tous, la crise. Est-ce que les fleuristes ont malheureusement ce truc de la crise ou pas? Un petit peu, mais c'est pas extrêmement flagrant. Faut savoir qu'en période de crise, les gens dans les choses, on va dire pas forcément utiles, achètent quand même, quoi. Oui, d'acheter tout le monde des fleurs, c'est pas... Ouais, quand même, oui, c'est vrai. Il y a un petit peu, mais c'est pas flagrant, quoi. Bah, merci. Voilà. Les fleurs de saison. Et là, donc, il y a quel type de fleurs que vous avez? Alors là, ça serait plutôt, on pourrait dire, de la fleur plus ou moins exotique, quand même, entre les anthuriums, comme ça. Bon, les lys, on peut en trouver ici, mais de cette qualité, quand même, très peu, quand même. Les orchidées, ça, c'est une variété d'orchidées. Les vandas, ça s'appelle ça. Ça. Les amarantes crête de coque, ceux-là. On en avait dans le jardin tout à l'heure queue de renard, mais ça, c'est crête de coque, c'est la même famille. Là, les gerberas, toujours, ça, c'est une fleur. La fleur est naïve, mais la couleur est super, super tonique. Toujours des orchidées là-bas aussi, c'est pour dire que tout ça, c'est quand même pas des choses du pays, quand même, on va dire. Très joli. Ah, c'est beau. Oui, c'est beau. On a beau dire, les fleurs, quand même, qui viennent de partout, comme ça, c'est pas mal. On dit souvent qu'il faut acheter français et tout, mais en fait... Là, c'est difficile. Les fleurs, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de culture en France, quasiment. Il y en a pratiquement pas. Et puis, on parle souvent des trucs achetés en Chine et tout.
Mais les fleurs, on n'entend pas dire qu'il ne faut pas les acheter à l'extérieur. Oui, oui, voilà. Oui, c'est vrai. Il faut mieux acheter français, mais. Oui, 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 les fleurs, quand même... on peut en acheter des françaises quand même. Il y en a un petit peu de cultivées dans le sud, notamment, mais pas tellement. Hein. Il n'y en a pas tellement. Donc, il y aurait pas ce qu'il faut hein, pour fournir tous les fleuristes de France. C'est... Enfin, c'est obligatoirement que ça vienne d'ailleurs. Il y a plus de fleurs qui... dans le sud parce qu'il fait plus chaud ou en gros Non, c'est par hasard, parce que la preuve, les fleurs de. Pratiquement du monde entier, il y a une grande partie qui est cultivée en Hollande, c'est pas une question de température, c'est une question de serre, de matériel plus que d'autres choses. Je pensais que plus il faisait chaud, plus ça poussait. Oui, c'est vrai quand même, c'est vrai quand même, qu'on voit que la plupart maintenant sont cultivés en Équateur, donc ça, c'est quand même dans des régions chaudes quand même. Ouais. Ça évite de chauffer les serres, quoi, si déjà la température est bonne. C'est vrai. C'est très belle. La fleur emblématique de la Bretagne, ça serait... C'est plutôt l'hortensia. L'hortensia et la bruyère. L'hortensia et la bruyère, oui. D'accord. Et plus les fleurs bretonnes, hein. Oui. Ouais. Et si je vous demandais de nous créer, pour Manec, un bouquet. Un bouquet. Alors, donc, il faudrait que ça soit une connotation du film. On le ferait en noir et blanc. Ah oui. Avec le tapis rouge. Ouais, tapis rouge.